Moi je suis en voiture, en arrière. Non, y'a pas besoin de voiture, c'est vraiment quelqu'un, on l'interroge. Ouais, une dernière chose, je veux quelqu'un qui sécurise 25 en permanence, avec qui reste avec elle, donc 61 là, tu m'entends là? Je suis devant toi. Ok, sécurise 25 H24 là. Si, reçu boss. C'est reçu boss. C'est reçu boss. C'est chaud. Là, Raptor, pas besoin de Raptor. Putain, il a encore. Putain. Oh là 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 là. Ah la plus d'essence. Tu veux que je prenne le GXXR blanche ou pas? Ouais. Ça fermez pas vos motos, les gars. C'est la plus grosse erreur à faire. Oh putain. Non. Ah, mais. Trop pressé. Boss? Ouais. Tu seras avec la patronne et moi-même dans le véhicule? Non, on part, t'écoutes pas Herman. On part pas en véhicule, on part qu'avec des motos là. Tu veux partir qu'en moto? Ouais, ça sert à rien un véhicule, on est là pour soulever là, on est pas là pour... Ok, reçu. Pablo, attends, Ah, ok. Pablo, tu montes avec moi? Les gars, je vois une personne avancée, il faut demander. Fermez tous vos gueules, les gars. Hein. Tu sors là. En attendant, il y en a qui surveille les alentours de la villa si on est pas surveillé. Les gars, il y a un mec sur la montagne, il est allongé, il est en train de nous regarder. On est surveillé. C'est déjà grillé. Ok, on est pris en fil. Allez, on est surveillé là autour de la villa là. Il est où? En face de moi dans le fourré. Et dans le pour 25, c'est la 667, il a quoi comme arme? De la nuit, micro. Ok, mais je la comprends pas. Ok, il y a des guetteurs autour de la villa, je veux personne qui sort en isolé là. Personne, absolument personne. Vous les voyez là, ils bougent? Bon. Ouais, c'est bon. C'est qui les gars, gilets tactiques, belge? Non, c'est pas les sales ça. Ils sont dans la montagne. Je crois qu'il y avait gilet et tout comme commando. Ouais. Sicilien peut-être? Boss, t'as déjà fait ça, les baskets? Putain, qu'est-ce que c'est? Non. Les riches c'est en vert d'habitude. Ouais, mais ils ont repris notre tenue en fait, notre tenue d'opé. C'est tenue militaire beige, c'est les escadrons. Qu'est-ce qu'ils se trouvent les escadrons? Ok, le guetteur il a bougé, il est plus là. Ok, si c'est l'escadron, les gars ils vont nous attaquer de plein fouet dès qu'on va sortir de la villa. Ils sont partis hein. Non, tu pars pas maintenant. Je vais placer un raptor pour que sur le toit pour voir ça. Je vais regarder depuis le jour. Ça va. Oh non, mais il est pas envie que je le fasse comme la dernière fois. J'ai le casque. Ah putain, de nouveau on est surveillé, mais quelle horreur. Ah, ça casse la tête. Pas barré, ils sont juste... Les gars, vous avez repéré d'autres guetteurs? Moi, je suis sur le toit, il voit personne, hein. Personne habituel pour l'instant. Le mec que j'ai repéré, il a bougé, il a changé de position, je crois. Si, je l'ai vu se déplacer. Pas sortir l'hélico. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on bouge justement avant que eux ils arrivent tous, quoi. Parce que là, il y avait qu'un guetteur, là. Non, crois pas ça.
ma tête à 12. Oublie pas que nous aussi, il n'y a qu'un guetteur, soi-disant, et on était. C'est pas des amateurs, les gars, c'est qu'ils sont déjà positionnés tout autour de la villa. Faut pas avoir. C'est l'escadron, c'est pas des amateurs. C'est pas la cité des sables. Tu as un chewing-gum? Ah non, fin de chaise, complètement. Putain, je vais manger là-bas. Tu as un gros chewing-gum? Il faut sauter maintenant, tu as un frein sous la chaussure. Seven. Ok, on veut qu'un ou deux guetteurs dans les cours, tous les autres dans l'arrière de la villa. C'est pour 0-0, je suis sur le toit de la villa. Donnez pas l'idée de la quantité d'hommes qu'on est ce soir, ça doit être une surprise. Ah, c'est trop tard. Il a déjà vu le guetteur, hein, t'inquiète pas. Si, c'est déjà trop tard, boss. Ouais, c'est trop tard, il nous a déjà vu. Si. C'est un des nôtres, ça. Oui, oui. Hélico. Bon, le mec qui est là, qui boite. Faut pas qu'il rentre dans la ville, hein. Ouais, je boite. Prends la bête. Oh là là. Qui boite? C'est moi. Qui est là? J'en ai une, attends. Je suis à l'extérieur, moi. Ah, ok. Où est la patronne? Je suis là. Ah, vous êtes là. Parfait. Ça va? Oh, il est où 16? 16, il est sur le toit et il fait le guet. Faites attention aux buissons, les gars. Les guetteurs. Ouais, mais dans les buissons, ils peuvent rien voir là. Ouais, moi, je pense que dans tous les cas, on se prépare tous et on sort tous ensemble. Et si on reste compact, ils peuvent rien faire. Ouais, prenez c'est ça. Et quitte, on les voit pas, ils nous suivent, ils nous voient pas. On les prend en filature, c'est tout. Pas... Ouais, mais tu as déjà 19 qui veut partir tout seul, 09 qui veut partir tout seul, je sais pas où, à la mairie ou quoi. Bah, on l'accompagne, on fait le début de trajet avec lui. Ouais, faut pas partir tout seul dans la villa, tous compact. Il a rendez-vous, il a des papiers à remplir. Méfiate, hein. A mon avis, même s'il est tout seul, il y a un guet-apens qui est tendu pas très loin, là. Eh ouais, c'est ça. Dans les gars, vous avez pas compris, si on vous a dit que c'est escadron, on croyait que c'était rigolo, quoi. 09, tu peux pas décaler ton rendez-vous? Là, ça va être short, hein. C'est pas des dates qu'on veut, tellement de problèmes par rapport au changement de pro, et... C'est pour ça que j'ai ramené tout ça, là. Tu dois partir avec quel véhicule? GSXR, rapide. Ok, bah tu vas t'intégrer dans le convoi et tu vas essayer de partir en même temps que nous et tu veux pas... Il faut partir par la gauche, pas par la droite. Par la droite c'est trop... Ils pensent qu'on part sur la droite à chaque fois. Ouais, de toute façon on part tous ensemble en même temps. On part sur la gauche. Pas, ils peuvent rien faire, ils peuvent rien tenter. Si. Parce que bon, on va pas rester toute la soirée attends, à la maison. La fois, ça fait la merde. Faut pas le faire. Bah, la dernière fois, ils avaient plus d'assaut. Et du coup, ils étaient mis tout autour. Et on est resté tout loin à l'intérieur de la villa. C'était trop chiant. Ouais, s'ils sont cachés, c'est qu'ils se cachent bien là. Puisqu'on voit vraiment rien. Les guetteurs, prenez des photos des alentours. Vraiment au plus net possible. Pensez bien, sinon on les voit pas, ils nous voient pas. De toute façon, de là où on est, là en ce moment, ils nous voient pas. Non. Yes. Moi, il a dit, on parle tous compact, il peut rien nous arriver, vraiment. En moto? Ouais. Non, en moto, t'es... En moto, c'est mort. Ouais. Non, vraiment pas, il y a 4 motos qui arrivent autour. Il suffit qu'il y ait une voiture en train. Non, mais le problème, motos, c'est que même en véhicule, si eux ils sont tous en moto, bah ils vont encercler le dernier véhicule et c'est mort, vous êtes en otage. Ouais, c'est ça. Voilà, moto, c'est simplement. En moto, c'est pareil. Ah non, en moto, vous aurez, si vous encerclez, vous encerclez aussi. Ouais, voilà. Et du coup, vu qu'on est aussi nombreux qu'eux, il peut rien se passer, c'est négociation. Ouais, clairement. Après, c'est jeu mental. Après, en véhicule, si vous encerclez le véhicule, c'est mort. Fini. Vous êtes obligé de sortir du véhicule, bras levés, et c'est pas ça. Et on baisse pas les armes, faut jouer le mental. Hein. Ouais, bah. Donc, tandis que là, en véhicule, on a le droit de jouer le mental, vu qu'on est aussi nombreux qu'eux, c'est pas plus nombreux. Donc pour moi on sort tous en moto compact, c'est malheureusement une moto qui s'est fait avoir, de toute façon ce sera la dernière moto qui va attaquer. Il faut être prêt à tous se retourner très, très rapidement et encercler tout le monde. Et là vous baissez pas des armes, c'est psychologique après.
Surtout pas lever la main, surtout pas lever la main. Il faut, entamer, de faut entamer des négociations. Pas d'insultes, pas de dinguerie. On entame des négociations au point barre, d'accord? Seuls les lieutenants sont autorisés à parler durant la prise d'otage. C'est ça. Précise au gradé. C'est compris. Précise au gradé, hein, pas que lieutenant. Si, non, mais quand j'ai dit au gradé. En fait, c'est, théoriquement, c'est même c'est. Pendant qu'on fait la prise d'otage. Après, une fois les négociations entamées, c'est bras droit et lieutenant qui parleront ce soir. Okay. Ah ouais, mais au gradé. Même 25, je veux pas qu'il parle, c'est trop dangereux. Oui, c'est oui, vraiment l'escadron, c'est dangereux. On se met à l'écart. Bon, moi, je suis d'avis qu'on. Bouge. Ok, donc du coup. On mais va on se prépare d'avis. Vite. Voilà, on se prépare vite, donc là on se met tous auprès de nos véhicules, on monte tous, donc voilà, le problème c'est qu'il n'y a pas eu le dispatch de fait, donc on ne sait pas qui monte avec qui. Donc là vous le faites vite fait les gars, on se prépare. Moi je sais déjà, c'est bon. Vas-y, viens sur 17. Vas-y, madame, vous montez avec... Ok, 16, redescends. Viens. Alors, j'ai pour mission d'assurer votre sécurité. Radio, nous on se manque que ce qu'on voit. 25. Tu montes avec moi? Ouais, c'est qui je mets juste devant Rico, moi. Ah, c'est moi, oui. Pour l'itinéraire, on sort, on part à gauche. Attends, et on fonce en ville, on passe Tour Eiffel et je décroche à la Tour Eiffel. Ok, on dit ça au premier au convoi. Donc c'est soit 19 ou 99. Les gars, à tous. Ouais. Surtout pour tête de convoi. Je te laisse conduire. Dès qu'on sort de la villa, on sort, on prend la route à gauche. On fait un micmac, on passe devant la Tour Eiffel. Moi, madame. Et au c'est moment où je décrocherai, c'est normal. J'ai un truc à faire urgent. Allez les gars, on va se là. En tout cas, pensez à passer par la Tour Eiffel. A tout le monde de penser à éteindre vos phares. On prend la juste, il a une juste. C'est à qui ça, les gars? Et vous chuchotez tous. Les phares, les gars, les phares. C'est bon. Ah, il t'en a les phares, Pablo. Viens là, on va montrer ça là. Attends. 19, c'est toi qui vas en tête de convoi? Les gars, j'ai déjà dit radio, je suis en queue de convoi. Moi, tête de convoi, c'est. Je sais pas, y'en a qui le fait souvent. Monte. Ah, j'en ai une, Pablo, je vais la sortir. Désolé pour le casque rouge, patron. Bon, les gars, c'est 12 qui s'occupera de donner l'info parce que c'est moi qui conduis. Il est en tête de convoi derrière moi. Et je suis concentré. Il faut que tu aies une paix. Ok, toi, tu te mets au milieu du convoi, vraiment, au milieu. Ni en non, pour l'école, les gars, seulement 12 devant et 19 derrière. Ok, ouais, c'est pas l'itinéraire. Une info que. Alors, premier l'itinéraire, on va à la station essence pour tout le monde. Premier l'itinéraire. Alors, à la station essence, dites-vous que vous pouvez être suivi, donc là, ça pourrait aller très vite. Vraiment, vous deveniez prêt à intervenir. On peut se faire après 4 tours, on va sur les forces. J'ai une course à faire, donc ça va être short. Concentrez, prendre toutes les entrées, braquer, tout ce que vous voulez. Bon, on attend que ça passe. Rappelez-vous bien, on focus le même véhicule tout le monde, c'est ça qui est important. 25, il y a un gars qui est tout seul, donc au pire, je le prends avec moi pour ce que j'ai à faire et ensuite on vous rejoint en deux speed. Vas-y. Mets-toi en civil par contre, ça doit. Moi, je suis au centre du convoi. Alors, itinéraire, on sort par à gauche. Je fais un micmac, on passe devant la Tour Eiffel et vous allez me voir décrocher, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas pour moi, vous continuez votre trajet. Ok, attendez, laissez-moi tout le monde 2 secondes. Là. Allez, c'est trop long là. C'est trop long là. Il vole, il fait un truc. Heureusement qu'on peut monter sur les motos et partir direct. Hein. Bon les gars. Allez, départ de convoi. Vas-y. Allez, on reste tous groupés. Nous on n'est pas la tête de convoi. Ok, d'accord. Roulez tout le monde, convoi serré. Il y a une moto qui vient de passer devant là. Il y a une moto qui vient de passer, partir sur la gauche. À gauche tout le monde. Serrez-vous tous là.
Là, je suis avec qui là sur la moto? Birdie derrière moi. Ah, nice. Moi, je regarde la montagne. On est pas suivi? Non. RAS pour l'instant. Vérifiez toujours la queue de convoi, c'est là qu'on est le plus vulnérable. Hein. Face à la... C'est qui est, je parle pas de lui. Moto en l'air en face les gars, en face à gauche. Les gars, dans la montagne, oui, il y a moto, regardez. Oui, moto, Camorra, habillé. C'est même que la dernière fois, la même que pas, la dernière attaque, fois. Pas, on attaque pas, on attaque. Roulez. Tout le monde reste. La montagne, non, j'ai fixé, on peut rien faire. Tout le monde reste groupé. Ils sont habillés pareil. Les gars, Je ne pas tous de la première moto. S'il faut, on monte même en ligne, restez tous groupés, je répète. Allez, convoi serré, les gars, convoi serré comme ça, c'est parfait là. On est bon paquet là. 09, c'est moi qui devais décrocher, vous me suivez pas, hein, les gars. Vous en foutez, moi. Excusez, madame. Quinconce les motos, quinconce les gars, pas les unes derrière les autres. On est derrière, on est derrière. On s'en fout du nombre, on s'en fout du nombre. On a un otage, on a un otage. Reculez tous de l'otage. Mais non, mais attends, mais je suis perdu. Ah non, merde. Tu bouges plus ici. Tu lèves l'otage, tu bouges plus ici. Avance un petit peu. Les gars, personne parle en même temps que les autres. Ok, il faut quelqu'un qui récupère les motos là. Allez, il faut quelqu'un qui récupère une moto. J'y vais, frère. Je me tiens prêt à partir, madame. Oui, oui, c'est bien. 25, je peux pas encore tuer avec le pompe, tu fasses quelque chose. Mais si, il est trop bien, t'inquiète. Et par contre, on peut pas prendre l'otage et dégager d'ici. Non, papa avec les motos. Papa avec les motos. Le problème, c'est, pour ça le problème, que c'est qu'on a que des motos. On peut pas. Et bah, faut qu'on. Derrière nous. What the hell? La camorra. Ah, là, ça va. Restez sur les autres. Braquez pas les personnes en moto. Ok, va négocier. Bah oui, ils ont deux mécanos. Ah ouais, une moto c'est l'essence. Je me tiens comme un frère. C'est dedans, peu importe, c'est la même chose. Je laisse le un ou deux ou dix, c'est le même. Attends, en vrai, 61 reste avec 25, quoi que ça part en couille, vous partez. Ouais, et toi, prends, il faut prendre le poste vite. Moi, je peux pas faire ça. Non, je parle plus. Miguel, c'est toi qui négocie, Miguel. Ah, Miguel, écoute-moi.
Faut pas que ça fasse le tour. Ouais, ils veulent pas venir parler tes collègues, hein. Par contre, je sais pas ce qu'ils nous veulent. Ça. Surveillez devant moi, devant là où je ouais, regarde. Ouais, attention derrière toi. Ah ouais, c'est ça. Ici. Ouais, bah, c'est le bas que je parle. De toute façon, il y en a au niveau du toit et tout. Moi, de toute façon, je regarde devant lui. T'as pas peur, hein? C'est très mauvaise idée et ils ont peut-être rien fait à nos hommes. Hein. C'est bon, on est assis. T'inquiète, je reste toujours à côté de toi, mais au moins je descends pour un peu plus de visu pour me tourner. Je comprends. Pas mal qui passe par la gauche. De toute façon, on se bat en triangle. Gardez les positions, gardez les positions. Bon, il y en a plein qui passent par la gauche, hein. Tiens, regarde. Regarde ce qui vient de tomber par terre, ton beau petit index. Francis, prends-y aussi, vous êtes bien joué. Les gars, ça va virer par derrière. Sécuriser la patronne. Non, reste au bout de ta montre.